Seigneur, ceci est ta parole. Ceci est la Bible. Elle est esprit et vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je veux recevoir ce matin sa parole. Qu'elle pénètre mon esprit. Qu'elle traverse ma bouche. Et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare que je ne serai plus jamais la même personne. Grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternel, parole de Dieu. C'est mon jour de recevoir la régénération, mon miracle, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois on fait des choses. Parfois on sort des mots. Parfois, on a des attitudes. Parfois, nous pleurons. Qu'est-ce qu'on a pleuré? Parfois, nous sourions. Mais il faut que nous puissions savoir que chaque acte, attitude, parole, pensée, émotion, sentiment que nous exprimons ont toujours une conséquence. Et la conséquence aura la même nature que le départ. Alléluia. Amen. Je veux parler de ton cœur. C'est ce que je disais hier aux responsables, nous étions en réunion. Je disais que ton cœur, c'est dans ton cœur. Parce que tu as un cœur physique, mais tu as aussi un cœur spirituel. Et c'est dans ce cœur spirituel, alléluia, que se passent toutes tes décisions et tous tes combats et toutes tes victoires. C'est là d'où viennent les choses. Et ce matin, je veux vraiment me laisser guider par le Saint-Esprit sur le message. Amen. Ce que tu fais, ce que tu dis, la manière dont tu vas dormir, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon d'interagir, tout cela est très important pour ton futur. Que quelqu'un dise mon futur. Tout ça, c'est important pour ton futur. Et le futur montre toujours si le passé. Non. Le futur, écoutez, parce que j'ai déjà entendu ça. Le futur montre toujours si le passé était bon. C'est totalement faux. Alléluia. Le futur démontre toujours si la décision que tu as faite dans ton passé était bonne. Amen. Amen. Alors, voilà ce que les Corinthiens nous disent. C'est une lettre ou une épître. À Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Justement, parce qu'une fois qu'on a reçu notre concours interne ou externe,
au niveau de l'éducation nationale, on passe donc, on a des séquences de formation avec un psychopédagogue. D'accord, c'est quelqu'un qui va vous former dans la psychologie, la psychanalyse, comment les élèves sont, comment faire, voilà, comment mettre en place des méthodes de pédagogie d'enseignement. Et ce formateur m'avait marqué par une phrase. Écoutez bien, il a dit ceci: vous ne devriez avoir qu'un seul objectif, aimer ce que vous faites et faire ce que vous aimez. Aimer ce que vous faites et faire ce que vous aimez. C'est une très belle phrase humaine. Mais cependant, Dieu ne dit pas la même chose. Alléluia. Dieu dit que quoi que vous fassiez, faites tout pour ma gloire. Autrement dit, aimez ce que vous faites et faites ce que Dieu aime. Ah, je crois que tu avais compris ce que je veux dire. Tu dois aimer ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ce que tu fais. Lorsque tu prends la décision d'un projet, tu dois l'aimer. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer. Mais quand Dieu dit, tu dois l'aimer, mais tu dois le faire pour ma gloire. Autrement dit, si tu sens que ce que tu fais ne va pas glorifier Dieu, aucunement, que ce soit pour toi-même, ton entourage, ta famille, tes enfants ou qui sais-je, stop. Stop. Alléluia. 2020, nous sommes, ça y est, nous sommes au mois de février. Alléluia. Beaucoup ont pris des décisions, ont pris des grandes résolutions, c'est ce qu'on dit. Le mois de janvier, c'est le moment où on peut prendre des grandes résolutions. Regarde bien les résolutions que tu as prises, les décisions que tu as prises. Et pose-toi la question: est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu se glorifie dans ce que je fais? Est-ce que Dieu se glorifie dans ce que je dis? Est-ce que Dieu se glorifie dans ce que je décide? Hier, nous étions en réunion avec les responsables, et avant même de pouvoir donner les thèmes, les questions que je m'étais posées en préparant cette réunion: est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? c'est pour la gloire de Odin? Ou c'est pour la gloire des responsables? Ou c'est pour la... Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans les choses que nous mettons en place? Amen. Et je suis en train de dire ceci: il faut absolument que l'Église aujourd'hui, l'Église corps du Christ, même l'Église de la régénération chrétienne, il faut absolument qu'on puisse inverser la tendance. Ok, je vais essayer de m'expliquer. Un jour je disais ici, il y a des personnes qui sont en train de courir alors qu'elles ne savent pas encore marcher. Il y a des personnes qui pensent être déjà arrivées alors que le Seigneur est en train de leur dire: je dois te former d'abord. Alléluia. 95%, 95% pour les Belges. 95% de l'Église en général est comme ça. Aucune vie de prière, aucune vie spirituelle, aucune... C'est-à-dire que tout s'arrête dans nos émotions. Je suis passé par là. Je suis bien placé pour en parler. En fait, la connexion, elle doit se faire en permanence.
Depuis le jour où tu as pris la décision de dire Seigneur, je te suis. Ou depuis le jour où tu vas dire Seigneur, je me repens. J'ai envie de revenir à toi. Je reviens vers toi. Écoutez ce chant. Je veux, je n'ai de force que pour pleurer. Ce chant a l'intérêt d'écouter les paroles de ce chant. Alléluia. C'est un chant, vous pouvez le chercher. Hein. Il n'existe pas encore. Alléluia, mais il existe dans mon cœur. Amen.
devons tout faire pour sa gloire. Oui, nous faisons. Oui. Certainement, nous faisons les choses pour sa gloire. Nous les faisons pour sa gloire. Je pense que nous nous occupons de nos enfants pour sa gloire. Je pense que nous nous occupons de nos parents qui sont en loin pour sa gloire. Je pense que nous nous occupons de notre famille pour sa gloire. Oui. Mais Dieu veut plus. Dès qu'on rallonge la piste de son tracé, son cœur s'arrête et il meurt. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est en train de te lancer un défi. Oui, tu fais des choses pour ma gloire, c'est bien. Mais je te demande plus. Je veux que tu puisses aimer ce que tu fais. Et que ce que tu fais, moi, je puisse m'en glorifier. Amen. Voilà comment Dieu veut que nous puissions être. Paul dira dans Philippiens chapitre 4, verset 12, si on peut le lire, il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. Parce que nous pensons que nous devons glorifier Dieu que lorsque nous sommes bien. Vous savez, il y a des personnes, hein, leur foi est attachée au bien matériel. Ou leur vie. Moi, je vous promets, je connais des personnes. Quand elles ont de l'argent, je les vois, ils ont un sourire avec. Vous savez, quand il y a des animés avec des diamants, ils sont tous souriants, alléluia. Et dès qu'ils n'ont plus rien, on dirait qu'ils portent des sacs de deuil. On dirait qu'ils portent des sacs de deuil. Vous venez quand même enthousiasme. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, c'est bon. Mais il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens te voir avec le même enthousiasme, alléluia. Qu'il y ait la disette, qu'il y ait l'abondance, que tu aies toujours la paix du cœur. Alléluia. Alléluia. Que tu aies toujours la paix du cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur les bénédictions que Dieu te donne. Concentre-toi sur Dieu qui donne les bénédictions. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras satisfait d'une bénédiction de 2, de 3, de 4, de 10, tu vas lâcher Dieu. Tu vas lâcher Dieu et tu vas te rendre compte que en fait ta foi dépendait de ce que tu recevais. Yes. Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin, ma foi ne dépend pas de ce que je fais. Ma foi ne dépend pas de la promotion que j'aurai. Ma foi ne dépend pas des biens que j'ai. La foi ne dépend pas de mes enfants que Dieu m'a donné. Ma foi ne dépend pas de. Alléluia. Ma foi. Dieu, oh, je lève les cieux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de plus loin que les montagnes. Il vient de plus loin que les montagnes. Il me vient de l'éternel.
vas te retrouver plus bas que terre. Je pense que tu te rappelleras de ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Je vous promets, il y a des personnes, on dirait que c'est vrai. Dès que... Ma soeur, comment ça va? Amen. D'accord? Mais c'est mieux que tu bénisses les autres. Amen.